Il y a pas longtemps que vous avez eu 89 ans. Je vous dis le 21 mai. Oui. Quel effet ça vous fait d'être à un an de 90? Rien du tout, allez. Ça ne fait rien. Ça continue tout pareil? Tout pareil. Oui, c'est pas dangereux de monter à l'échelle comme vous faites là? Ben si, faut y faire bien attention, mais enfin. Je peux le faire, je le fais. Ça fait lourd quand même, hein, une brouettée de bois. Non, mais que ça change. Monter à l'échelle, transporter du bois. À 89 ans, Madame Hervé, vous ne reculez devant rien. Comment appelez-vous ça? J'ai trop d'ambition, c'est ça. Voilà. Celui qui n'a point d'ambition, il ne fait rien. Vous trouvez que les jeunes de maintenant en ont? Non, pas trop. Pas trop? Non. Vous suivez un peu ce qu'on fait maintenant, là? Les gens qui vont dans la Lune? Oh, je... Ça ne m'intéresse pas. Non? Non, pas envie. Je m'en occupe nullement. Eh bien, bonjour, messieurs, dames. Bonjour, Madame Hervé. Alors, qu'est-ce qu'il vous fallait, la grand-mère? Oh, je vous dis, je demanderai 20 culottes, comme ces jeunes filles-là. Comme les jeunes filles? Oui, culottes en panty. Ah, bon, culottes en panty. Ben oui, pour faire du vélo. Oui. Eh bien, ce sera très bien. Oui, ben, d'accord. Attendez, on va vous chercher ça, la grand-mère, hein? Tenez. Regardez, voyez-vous? C'est ça que vous voulez, c'est oui, bien ce genre-là. Ça va être assez grand. Ah oui, oui, ça va être assez grand. Vous n'êtes pas tellement grosse. Dites, voyez-vous, c'est la taille. Oui, oui. C'est la taille 3. C'est grandement, c'est grand pour vous, la grand-mère. Ah, ben, ça va. Hein? Ça va aller? Ça me convient. Le dimanche matin, je me lève pas trop tard. Et puis je vois la messe. Ah, bon. Et puis je porte mon dîner avec moi. Puis comme j'ai des copines, je vais dîner chez elles. Et puis après, je vais faire ma petite partie de cartes. Ça va aller vite, ça va comme ça, hein? Oui. On a parti, on a pas dîné. Oui, ça peut mal démarrer pour vous, hein? Plus agréable pour les vieux de rouler en bicyclette que de rouler sur un vélo moteur. Parce que la circulation du sang, c'est pire. Ah ben, j'ai été culbuteille. Le 28 juillet, par un sous l'eau. J'avais toujours dit, je peux me que d'un sous l'eau. Je n'ai pas peur d'autre chose, je peux que d'un sous l'eau. Mon vieux, il s'amène, il se tape dans ma sacoche, heureusement, contre l'arche, là loin, il y a une arche, là loin, pas loin d'ici. J'ai tombé sur l'herbe, mais j'ai tombé la bicyclette par-dessus moi, quand c'était pour me relâcher les jambes, après, il a fallu que j'aille au rebouteux. Vous avez dit au rebouteux, pas au docteur? Ah non, au rebouteux. Pour vous, les médicaments, c'est pas suffisant? Ben, il y en a qui vous font plus de mal que de bien. Moi, j'en ai eu bien que je jetais, qui me faisait du mal. Puis voilà.